T'imagines les perspectives que ça ouvre à Adam. Ces nouvelles plantes pourront servir pour plein de choses. Guérir les cancers, nourrir toute la planète à sa fin. Les botanistes sont l'avenir du genre humain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dis donc, ces graines-là, tu les as plantées hier seulement? Ouais, ouais. C'est incroyable, elle fait déjà pratiquement 30 cm. Bon sang, mais avec quoi tu la nourris? À ce rythme-là, elle sera plus grande qu'un lampadaire dans quelques jours. Bah, si seulement j'arrivais à me souvenir quelles graines j'ai bien pu mélanger pour créer cette plante-là. C'est pas une plante naturelle? Non, non, c'est un hybride, c'est très difficile à déterminer. Ah bon? Où est-ce que tu as trouvé les graines? Bah, dans un petit sachet qui traînait dans le labo. Mais regarde ce que j'ai découvert, c'est amusant à voir. Paraît qu'elle adore le métal. Ouais, c'est vrai, elle l'avale, dis donc. Je trouve ça génial. Tu es sûr de pas l'avoir croisée avec une poubelle? Elle était si jeune. Quelle tristesse de l'avoir ainsi inerte. Te laisse pas abattre, mon vieux. Il y a toujours des pertes dans ce job. Ah, j'aimerais bien savoir comment j'ai créé cette plante. Eh, oui, il n'y a qu'à apporter une pousse à Alpha, il pourra peut-être te le dire. Je viens d'avoir une idée. Je vais couper une pousse. Je la donnerai à Alpha, il pourra peut-être me renseigner. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ben, je le crois aussi. Regarde un peu cette drôle de bestiole. Elle est vraiment énorme, regarde-moi ça. Oh, t'as vu ça? Oh non, on a un chien. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'empêcher de sortir? J'ai une meilleure idée! À la vitesse où ce truc-là grandit, Rocky ne s'en apercevra même pas. Maintenant, on va aussi avoir notre plante. Et comme ça, tout le monde sera heureux. Mais qui est un génie? Très intéressant, la plante de ces jeunes humains n'arrête pas de pousser et de se renforcer un peu plus à chaque instant. Nous pouvons peut-être en tirer avantage. Sprocket, écoute-moi bien. Oui, oui, vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Oh, regarde comme ça pousse. Wilkmeyer, ce que l'on fait. Oui, chef, que voulez-vous, chef? J'ai entendu dire que vous vous mettiez à la botanique ces temps-ci, alors j'ai décidé de passer vous voir pour m'assurer que vous ne détruisez pas la bonne réputation de l'association botanique d'Angel Grove. J'étais moi aussi un de ses membres, vous savez. Mais non, on n'était pas au courant. Voyez-vous, la clé pour bien faire pousser des plantes, c'est la nutrition. Et je sais où l'on peut dénicher les engrais nécessaires pour cela. Suivez-moi, mes petits. Les engrais. Messieurs, c'est par ici. Et dépêchons-nous. Alpha devrait bientôt avoir les résultats. Je me demande si elle a encore poussé. Qui sait? Mais les botanistes débutants, quelle belle journée, hein? Parfaite pour planter des fleurs, vous ne trouvez pas? Tu es venu par hasard ou tu cherches quelque chose? Bah, on peut plus passer dire bonjour à vieux amis, alors. C'est ça, ouais. Tu nous prends pour des crétins? Il faut que je réponde franchement à cette question. Rocky, fiche-nous la paix. D'accord, au revoir. On ne peut pas le laisser filer. Transmutation demandée. Power Ranger, vous n'avez aucune chance. Il faut les empêcher de prendre ces plantes. Oui, avant qu'ils ne puissent s'échapper. Rendez-nous ces plantes. Début de séquence combat. Donnez-moi ces plantes. Reviens ici, toi.
Oh, c'est pas possible. Viens me battre. Tu n'emporteras pas cette plante. Je ne te laisserai pas faire. Ah, je la tenais, mais comment j'ai pu la perdre? J'ai eu aussi la mienne. Imagine-les entre les mains du roi Mundo. Retournons au centre de commandement. J'espère qu'Alpha en a fini avec ses tests. Ouais. Hé, Bulky, regarde. J'adore cet endroit. Ce que vous voyez là, c'est le meilleur engrais du monde. Il fertilise tout ce qui peut exister. Les roses, les marguerites et un tas d'autres choses. C'est vraiment fascinant, chef. La fameuse plante sur laquelle vous travaillez, elle a besoin d'être bichonnée aux petits soins. C'est pour ça qu'il vous faut ce qu'il y a de mieux au monde. Il vous faut de l'or noir augmenté à l'octane. Il n'y en a plus, chef. Il en reste encore au sommet de la pile. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, voyons? Centrale au lieutenant Stone, on nous signale un cambriolage au siège de l'association botanique d'Angel Grove. Des spécimens de plantes rares ont été déclarés volés. Ma plante! C'est ma plante! On a volé ma plante! On a volé ma plante qui nous tourmente ainsi toujours! Vous pouvez compter sur nous, chef! On va retrouver ces plantes! Et on en fait une affaire personnelle! Allez, en route! Je suis sûr que ces crétins costumés sauront apprécier ce que j'ai fait de leurs plantes une fois que je les aurai utilisées pour les détruire. Parfois, je suis si brillant que ça en devient vraiment écœurant. On a faim, nous. Il faut qu'on mange tout de suite. D'abord, ton cousin et toi, vous devrez anéantir les Power Rangers. Je n'ai que vos forces. Maintenant, allez-y. Alpha, tu as pu avoir mes résultats? D'après mes recherches, tout indique que tu as créé un être hybride très original, capable non seulement de grossir en taille, mais également en force, et ce, indéfiniment. Et si Skull a planté une pousse dans son pot, on en aura deux sur les bras? C'est exact, Adam. Et maintenant que le roi Mundo possède ces deux plantes, je crains que la situation s'aggrave encore plus. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que Mundo peut vouloir en faire? Si Mundo arrive à contrôler ces plantes, nous devrons combattre un puissant ennemi. Ce qui ne devrait pas tarder à arriver. Regardez, selon ce graphique, il semble que la plante doive constamment manger pour rester forte. Et d'après ce qu'on en a vu, elle adore le métal. Aïe, 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 aïe! Je crois que tes plantes viennent de réapparaître, Rocky. Où sont-elles? Au cimetière de voitures d'Angel Grove. Elles avalent tout ce qui est en métal. Il vaut mieux qu'on y aille. Hey, soyez très prudents, Ranger, on ne sait pas ce que Mundo a fait à ces plantes. Transmutation demandée! Zéon, Rangera, rouge! Zéon Ranger 2, jaune! Zéon Ranger 3, bleu! Zéon Ranger 4, vert! Zéon Ranger 5, rouge! Ah, vous voilà seulement! C'est déjà bien assez tôt! Unissons ces petits malotrus, n'est pas bien d'interrompre notre repas. Prêt? Quand tu veux. Rocky, ça va? C'est bon, on peut reprendre notre repas. Oui. Il faut les arrêter. Pistolet Zéo et laser. Utilisons nos missiles pollen. Amusons-nous un peu d'abord. Bon, allez, atterris. Missile pollen. Attention, c'est parti. Tu l'as fait exprès. Mais qu'est-ce qu'il en prend?
Ils doivent combattre les Power Rangers, pas l'un contre l'autre. Je vais les réempoter. Ils ont disparu. Mais qu'est-ce qui vous a pris? On était sur le point de les écrabouiller, vos Power Rangers. Et on allait manger. Ça suffit. Éliminez les Rangers, bande d'incapables. Une fois que vous les aurez détruits, vous pourrez avaler ce que vous voulez, mais pas avant. Eh, hey, mon ami, père, c'est vous qui nous avez ramenés ici. Je l'ai fait parce que ton cousin est en bon à rien. Et d'accord, et où vous voulez en venir, là? C'est très simple. Moi, tu restes ici. Ah bon? Et toi, tu y retournes seul. Sans moi. Et tu termines le travail que je t'ai demandé de faire. Ah, attendez, laissez-moi résumer. Vous voulez que je choisisse entre vous et mon cousin? Je n'ai jamais dit que tu avais le choix. Allez, j'arrive, cousin. Non, mais j'en ai assez. Maintenant, retourne sur Terre et débarrasse-moi des Power Rangers. Sinon, vous regretterez tous les deux d'avoir été plantés un jour. Au travail! Je me sens responsable pour cette histoire de plantes. Je dois trouver un moyen de régler tout ça. Je vais aller à la bibliothèque en espérant trouver quelque chose. Eh bien, bonne chance. Et préviens-moi si t'as une solution. Évidemment. Salut. Créateur, hein? Je n'ai même pas eu l'occasion de te remercier. Cette fois, mon vieux, tu ne m'échapperas pas. Transmutation demandée. Zéo Ranger 3, bleu. C'est pas une façon de recevoir les gens qu'on aime, ça. Tu m'as mis en colère. Au secours, Zordon. Ramène-moi au centre immédiatement. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Ouais. Un bon gros appât pour la plante. Elle devrait plus tarder à arriver maintenant. Hey, est-ce que t'as apporté le ketchup? Ah ouais, même si les plantes n'aiment pas le ketchup. Et les plantes n'aiment pas les motos, le métal d'habitude. C'est vrai, tu viens de marquer un point là. Et avec ça, je vais mettre un peu de garniture. Alpha, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 Ranger! C'est terrible! Rocky a été attaqué par Pollinator! Le pollen prend le pas sur toutes les cellules dans le corps de ce pauvre Rocky. Il est en train de se transformer en plante à une vitesse vertigineuse. Je vous connais, les gars! Ça va mieux, Alpha? Vous êtes les Pepper Rangers, pas vrai? Comme Rocky ne sait même pas quelle graine il a utilisée, ça peut prendre du temps avant de trouver la solution au problème. Alpha étudie toutes les possibilités qui existent. J'espère que ça va marcher avant de devoir le planter en terre. On peut faire quelque chose pour vous aider? J'ai bien peur que non, Catherine. Il n'y a qu'à attendre. Hey! Très jolie, tes feuilles, hein? Tu trouves que j'ai de jolies feuilles? Ouais! Tu as vraiment de très jolies feuilles. Et tes branches sont pas mal non plus. Dépêche-toi, Alpha. Bien joué, Pollinator. Ne t'empêche pas, dit que tu te débrouillerais mieux tout seul. Maintenant, je dois trouver et détruire les autres Power Rangers. À mon avis, tu devrais surtout manger un morceau. Ces clowns finiront bien par venir à toi à un moment ou un autre. Oh, je sens que cette fois-ci, la victoire va enfin me sourire. Allez, laisse-toi faire. Allonge-toi, Rocky. Oh, génial! Qu'est-ce que c'est? C'est le Pollinator, il est revenu en ville. Allons-y. Tiens le coup, Rocky. Soyez prudent, Ranger. Avec tout ce qu'il vient d'avaler, il doit être plus fort que jamais. Transmutation demandée! Ah,
Ça va ? Je vais vous écraser. Ça commence à bien faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Zordon, je crois avoir enfin identifié notre plante mystère, mais je ne sais pas ce qui l'a fait pousser aussi vite. Et le pauvre Rocky n'a plus beaucoup de temps devant lui. Continue, Alpha. Il faut trouver un moyen de stopper le processus de mutation. D'accord, Zordon. De l'oxygène. Il me faut de l'oxygène pur. Qu'est-ce que tu dis, Rocky ? Bien sûr. J'aurais dû y penser tout de suite. Les plantes absorbent le gaz carbonique. En envoyant à Rocky de l'oxygène pur, nous détruirons les cellules de la plante. Oui ! Accroche-toi encore un peu, Rocky. Ça ne marche toujours pas, Alpha ? Augmente le niveau d'oxygène dans la chambre d'isolation. Alpha ! Tu as réussi ! Grâce à ta connaissance des plantes, Rocky. Presse-toi maintenant, les autres sont en danger et seul toi sais comment vaincre le pollinateur. Ouais. Merci, Alpha. Zordon, transmutation demandée. Zéo Ranger 3, bleu. Il faut utiliser de l'oxygène pour le battre. Oui. Vous ne réussirez jamais à me battre, jamais. C'est ce qu'on verra, tête de céleri. Ranger, armez vos pistolets et chargez-les avec de l'oxygène. Vous êtes prêts? Oui. Et pourtant, j'aurais dû faire un super destin. Désolé pour ta plante. Ah, ça fait rien. En tout cas, maintenant, je sais exactement quelles graines je vais utiliser. Fling. C'est quoi? Du basilic et du romarin. Comme ça, le seul truc que je détruirai, c'est des pattes. Arrête! Oh, mais tu marches sur mon pied! Hé, t'as qu'à te pousser! Aïe! Aïe, aïe! Mais bouge de là! Aïe! Oh! Arrête! Quoi? Arrête! Barrez-vous! Vous allez faire capoter l'opération! Oh, cette fois, ça y est, la plante a mordu à la part! On va la récupérer très prochainement. À mon avis, vous feriez bien mieux d'aller attendre dans un coin plus tranquille. C'est un boulot qui doit être fait par des professionnels. Tu es prêt? Attends. Quelqu'un? Quoi? Où est mon pied? J'en sais rien, tu l'as utilisé quand la dernière fois? Oh ben, il n'y a pas longtemps. Oh. Silence, il arrive. Qui? Tais-toi. Oh. Oh. Mais il y a des tondeuses à gazon plein la cabane à jardin. Pourquoi vous prenez la mienne? Miel, miel, miel. Oui. Alors. Coupez! Blablabla. Oui, désolé, on l'a refait. Allez, coupez! Et je suis vivante. Elle est encore en vie. Poisson d'avril.